Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour, messieurs. Et je voudrais vous présenter le sujet de notre vidéo aujourd'hui. C'est les choses, les côtés positifs pendant le 40 ans. Parce que en général, le 40 ans, c'est quelque chose qui donne les émotions assez mauvaises, assez négatives. Ouais. Quand nous regardons la télé, il y a beaucoup de choses mauvaises. Je ne veux pas vous donner telle émotion. J'ai en but de faire quelque chose assez plaisant, assez positif pour vous donner quelques idées. Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant les 40 ans pour avoir les émotions assez plaisant, assez positif. Alors, la première chose, c'est ce que vous, nous, les gens en général, peuvent co comprendre que il y a deux côtés toujours, oui, en général, le côté positif et le côté négatif. Le côté positif, c'est ce qui est grave aujourd'hui, oui. Parce que chez nous, déjà, beaucoup de gens comprennent qu'il y a tel côté, il y a côté positif, que nous avons beaucoup de temps libre. Le temps libre pour parler avec notre parent, le temps libre pour notre ami, pour... pas physiquement, nous ne pouvons se voir physiquement parce que c'est déjà interdit, oui. Il y a les vidéoconférences, il y a téléphone, pourquoi pas, c'est possible. Si vous voulez, vous pouvez le faire, ouais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Vous avez le temps libre, beaucoup de temps. Pour livre, pour peut-être créer de la musique, pour faire quelque chose qui est assez plaisant pour vous, peut-être vous avez un hobby, ouais, peut-être vous voulez faire quelque chose, il n'y a pas beaucoup de temps pour vous quand vous êtes assez occupé pendant le travail, ouais, quand vous travaillez, ouais, il n'y a pas beaucoup de temps libre pour quelque chose qui est assez plaisant pour notre âme, ouais. Et maintenant nous pouvons chercher cette possibilité de faire ce qui est assez grave, ce qui est assez important pour nous. Je peux vous conseiller encore faire une petite analyse de votre vie, de toutes les catégories de la vie. C'est les relations, votre santé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour obtenir le niveau plus élevé dans toutes les sphères de la vie, ouais. Parce que on peut vous donner tel conseil comme psychologue aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Encore, je vous conseille revoir votre vêtement. Parce que c'est le printemps, c'est l'étape quand tout dans notre nature la nouvelle vie, on peut dire, ouais. Le soleil brille, il y a quand le soleil brille, les gens ont le bonheur assez élevé, assez, on peut dire heureux, ouais. Nous sommes assez heureux quand nous pouvons voir le soleil, ouais, quand il brille. D'accord, vous pouvez voir la qualité des vêtements. Peut-être vous ne voulez pas s'habiller quelque chose, donc il faut chercher peut-être la nouvelle
vie, donner une fois nouvelle vie pour quelqu'un, peut-être. Je ne sais pas quand, qu'est-ce que les gens font en Europe avec les vêtements qui ne plaisent pas, déjà. Ouais. Mais en Ukraine, chez nous, il y a habitude de donner ses vêtements pour les familles pauvres. Donc, si c'est possible chez vous, vous pouvez le faire. Peut-être en Europe, il y a les centres spéciaux pour faire cela. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Vous pouvez, je ne sais pas, apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être les courses. Je ne sais pas, ce qui est assez grave, assez important pour avoir le niveau suivant dans votre domaine, peut-être domaine professionnel, peut-être domaine dans sphère de hobby, je ne sais pas. Mais ce sont les choses assez graves, assez importantes pour toutes les gens. Et alors, il y a aussi les bonnes choses pour notre nature, parce que quand les gens tout est à la maison, ouais, donc c'est assez bon pour notre nature. Elle peut renouveler, se calmer, etc. Donc, je crois que ce sont mes petites idées pour vous qui est assez intéressant. J'espère. Pour le moment, c'est tout. Et si vous voulez, je peux vous donner l'information actuelle à propos de ce qui est changé chez nous pendant le quarantaine à propos du coronavirus aux vidéos suivantes. Parce qu'il y a déjà quelque chose que vous pouvez regarder à la télé, mais si vous voulez, je peux vous donner une petite information dans la vidéo suivante. D'accord, et pour le moment, c'est tout. Bonne soirée, à bientôt.